Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Room 404. Alors Room 404, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur. Donc petite fillette, âme sensible et autre cœur fragile, veuillez tout de suite cliquer sur la petite croix rouge en haut à droite de votre écran. Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1, 0. Je vous laisse encore une seconde. Et là, sur ce coup-là, vous pourrez pas dire que vous étiez pas prévenu. Ha ha! On va tout de suite lancer ça. Alors, bien sûr, je vais vous faire les traductions anglaises. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Un jour, j'étais dans une room 404, et puis c'était bien le merdier, je savais pas ce qu'il y a dedans, mais j'allais pas tarder à le découvrir. Voilà! Résumé de l'histoire, mon vieux, c'est ça. Faut pas chercher plus loin. On va aller voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, let's go. Ok, c'est parti. Bienvenue dans la room 404 et ça risque de bien foutre les chocottes. Attachez vos ceintures. C'est délire. C'est parti, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui me tombe sur la gueule. D'accord. C'est juste un arbre. Pas de panique. On va passer à côté, bien tranquillement. Gentiment. Bon, bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas 36 chemins pour le moment. Ça se passe forcément ici. C'est parti. Let's go. Et bienvenue dans la room 404. Ok. Acte 1. Entering room 404. Très bien. Update, presse M. Ok, d'accord. Update quoi? Ah, d'accord. Restore the power, fin room 404. D'accord. Parfait, parfait. D'accord. Elle me dit que visiblement je suis bien dans la merde. Ouh bah tiens regarde donc. Là-bas ça brille déjà. Ça, c'est le power. Vas-y mon vieux, elle a fait quelque chose non? Alors D'accord, j'ai tenté d'ouvrir une porte, ça m'a foutu les boules. Bon bah là ça brille. Donc forcément. Ça marche. T'as mon vieux le téléphone, il sait pas ce qu'il veut, il sonne pas. T'imagines toi si ça faisait ce boucan à chaque fois que tu faisais sauter les plombs dans ton appart? Ce truc de malade. J'ai l'impression que c'est à chaque fois que je tourne la souris. Ah non, c'est la fenêtre. Putain, comment que c'est pas rassurant. Écoutez, on va fermer ça. S'il y a moyen. Il y a pas moyen de fermer ça. Ouah, comment que c'est glauque en tout cas. Fin room 404. Parfait, on va la trouver, tranquille, on va la trouver. D'accord, il n'y a pas moyen de fermer les fenêtres. Par contre, et moi ça me fait bader les trucs, les histoires avec les fantômes et tout là. C'est un truc de malade. Ça s'ouvre ça? Bah bien sûr que non, c'est fermé. Bon, tranquillement, pas de panique, c'est pas par ici. On va donc faire demi-tour. Comment que c'est flippant. Et je vous dis, j'ai le casque à fond sur les oreilles. C'est un truc de malade. On va éviter de faire les marioles. On va s'empresser de trouver la room 404. Très bien, c'est pas celle-là. C'est peut-être celle-là. Non plus. Regardez ça, comment que c'est glauque. Mais c'est un truc de malade. Ouh, comment que ça fout les chocottes, mon vieux. C'est un truc de malade. Franchement, t'as pas trop envie de t'aventurer par là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre de couloir long, étroit et sombre où t'as pas envie de t'aventurer. Tu vois? D'accord. La room 402. Très bien. La room 404 ne doit pas être très loin. Ok. Je pense que c'est celle juste à côté. Petit sondage avant de rentrer dans la room 404. Attention, on va jouer à Will You Razor. En plus, c'est un petit jeu Will You Razor, vous connaissez. Là, c'est vraiment la question qui pique, qui va faire mal. Même moi, je saurais pas quoi répondre. Si vous étiez dans un hôtel abandonné aussi glauque que celui-là, regardez ça. Franchement, il est pas mal glauque. Qu'est-ce que vous préféreriez, Will You Razor? Est-ce que vous préféreriez être renfermé dans cet hôtel abandonné avec des entités telles que des dames blanches, des démons, des fantômes, des je ne sais quoi? Ou alors, Will You Razor, est-ce que vous préféreriez être enfermé avec un psychopathe? Mais vous savez pas où il est. Mais quand je dis un psychopathe, je parle pas d'un psychopathe. Hein. Je parle d'un psychopathe, mon vieux. Un déglingo, quoi. Un truc, tu vois, t'as pas envie de tomber dessus. Même moi, franchement, je sais pas trop quoi répondre, là. Là, sur ce coup-là, je suis un peu dubitatif, on va dire. Attends.
Room 403, c'est fermé. Non, parce que autant si je tombe sur la dame blanche, il y a de fortes chances que je me pisse dessus. Mais si je tombe sur un psychopathe qui me court après, ça va être pareil. En plus, il y a du sang. C'est pas pour nous rassurer tout ça. Oh putain, la room 404, on est arrivé. Il y a pas une ombre là? Putain, j'ai cru voir une ombre. Bah, elle est fermée la room 404. J'ai oublié une clé quelque part. Vous pensez? On va faire demi-tour tranquillement. Presse M, update. Ah d'accord, cherche une autre room. Get the warehouse key, get the game room key, enter the game room. Ok, it's cool, alright. Parfait. Bon bah ça va être ça va être tranquille. On va y aller tranquillement. Attends. Attendez, parce que j'ai l'impression d'avoir fait toutes les chambres là. Putain, tu sais, c'est le genre de jeu, t'as peur, tu te retournes et là il y a une dame blanche direct, mon vieux. Ou un psychopathe, would you rather? A vous de me le dire. Moi franchement je sais pas trop, là sur ce coup là j'en sais rien. C'est la question fatidique quoi, tu vois. D'accord. Attends, on n'a pas une lampe ou quoi là? C'est un truc de malade, sérieux. Même pas une petite lampe quoi. Oh putain, comment que ça m'a foutu les boules avec son histoire de fenêtre qui grince là. Cette chambre, mesdames et mesdames. Ouais, celle-là en face là. Elle était pas ouverte il y a 2 minutes là. Non. C'est sûr et certain qu'elle était pas ouverte. Bonsoir. Je m'appelle Jonathan. Vous pouvez m'appeler JolatDX. Je chasse les entités. N'ayez pas peur, approchez-vous de mon K2R. Parlez dedans. Je crois que c'est vide. Je crois que c'est vide. Oh putain, une clé. Non, c'est pas vide. C'est peut-être la clé de la game room. Allez savoir. Warehouse. Donc la warehouse. Oh. Elle était fermée tout à l'heure. La warehouse était fermée tout à l'heure. D'accord. Ah bah voilà. Ça, ça doit être la clé de la game. Oui, de la game house. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien, et là-dedans, il n'y a rien non plus. Ok, d'accord. Il n'y a pas un truc. Putain, mais c'est malade ça, c'est ça. D'accord, les casiers se referment tout seuls. C'est un truc de fou. Attends, ça n'a pas brillé là? Ah, regardez. Ah oui, non, non, c'est le casier derrière la porte. Bah écoutez, on va essayer de rentrer dans la game house. Oh putain. Oui? Allô? Y'a personne. La game. Ah, la game room, d'accord. Ça doit certainement être celle-là, vu que c'est marqué en gros. Très bien, rentrons dedans. La game room, moi ça me parle bien. C'est des jeux vidéo, tranquille. Des petits jeux. Ça, ouais, pourquoi pas. Il y a un casier là-bas. C'est plutôt cool. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, des bougies. Attends, c'est quoi? C'est un casse-tête ou... Oh, d'accord. D'accord, très bien. J'ai rien fait. Oh putain, il y a un truc qui brille là. Je pense que... On sait jamais. Bon bah écoutez, je vais me casser de là. Oh, comment que c'est glauque, regardez ça. Hein? On dirait pas un bonhomme là ou je sais pas quoi? Bon vas-y. Je me casse de là. Attendez, là ça brille, y'a peut-être quelque chose à ramasser. Rien du tout. On se casse. Allez, vas-y. Bonsoir. Je suis Jolat DX. Attends. D'accord. Par ici, y a rien. Ça va certainement être de ce côté-là. On va y aller tranquillement. Je pense que du coup, on va monter là.
ça va être... Oh, chaud. D'accord, j'ai trouvé une clé. C'est là-bas ou c'est là? Bah écoutez, je pense qu'on a une clé, on peut faire demi-tour. C'est peut-être la clé de la room 404. Allez savoir. Peut-être, hein. Ils ont pas refermé la porte, non? Non, c'est plutôt cool. D'accord. Il y a un truc qui va me sauter dessus si je veux ressortir. J'en suis certain. Je sais pas pourquoi. Allez, j'avance. D'accord. La télé n'était pas allumée tout à l'heure. 404 avec un visage qui fait peur. C'est pas très rassurant cette affaire. Non. Bon bah écoutez, direction room 404. Allez vas-y, on porte ses couilles un peu. T'inquiète même pas. On va y aller à la room 404 mon vieux. Hein? Y'a quelqu'un? Non. On va y aller tranquille. Et attends, peut-être si c'est ouvert, non? Oh! C'était pas ouvert tout à l'heure. Hein? Tout à l'heure, c'était pas ouvert. Je pense qu'on va rentrer par là. Putain, c'est quoi cette pièce-là? Hein? On va essayer. Bon bah écoutez, ça a l'air ça a l'air d'être tranquille. Ça... Ah, ça c'est cool ça. Tu vois, ça c'est plutôt cool. J'ai trouvé deux petites clés, 402 403. Ça, ça va être bon. Oui, ça marche. Oui. Deux pizzas, quatre fromages s'il vous plaît. On va aller par là. Donc 402, j'ai la clé. Bon, t'arrives tranquille devant la chambre, ça t'ouvre tout seul. J'ai rien à pied, hein. Elle s'est ouverte toute seule. Oh, ça. Élévateur fusée. C'est occupé. N'entrez pas. Non. Non. C'est bien occupé là. J'ai la clé de la 403. Elle va s'ouvrir toute seule. Ah non, pas celle-là. Celle-là ne s'ouvre pas toute seule. Mais c'est pas grave, j'ai la clé. Je vais ramasser la fusée. Par contre, c'est très très sombre. Oh! Mon cœur de fragile a sursauté. C'était un petit sursaut vite fait. J'ai vu un petit personnage passer là. Je sais pas s'il était très gentil. Si on pouvait s'éviter, ce serait sympa. Est-ce que la room 404 est ouverte maintenant? S'il vous plaît. Ah! Toujours pas, d'accord. Donc bah j'ai deux machins, qu'est-ce que j'en fais moi? Bon bah écoutez, je vais essayer d'aller par là tranquillement. Gentiment, en espérant qu'on va rien me faire. On va pas me sauter dessus. Attendez. Ah bah oui, bah attends. Et si j'écrivais 404? Bah c'était évident. Bah ouais, c'était évident. Non non non, lâche-moi, c'est bon. J'ai trouvé. Ouh putain. C'est rien. C'est rien. Je vais venir tranquillement. Oh, c'est quoi ce machin? Oh putain, regardez, regardez. Je l'ai vu passer, regardez. Ça m'a donné un putain de frisson. C'est un truc de malade. Ça m'a filé la chair de poule en deux secondes.
Je suis Jolotte DX. Si vous voulez discuter, j'ai mon K2R. Vous pouvez parler dedans. Ça va être bien cool. Attends. Le truc qui est passé m'a filé un putain de frisson. Un truc de malade. Tais-toi, toi. Vas-y, dégage. Écoutez, on va aller gentiment à la room 404. Parce que je pense que ça va être bien cool là-bas. Ou pas. Mesdames et mesdames, je crois qu'on va voir ce qui se cache dans la room 404. Y'a pas un bras là-bas? Ah non, c'est un rideau, putain. Je croyais qu'il y avait un bras qui sortait de la fenêtre, ce délire. Ok. Restart the elevator. Use the elevator. But where is the elevator? Il est où l'elevator? Moi je veux bien. Mais j'en vois pas. Peut-être dehors. Oh! What? Putain, je vois rien, mon vieux. C'est rouge avec des... Comment que c'est malsain, mon vieux? Écoutez, je vois pas grand chose, hein. Franchement, en vrai, là. Je vous le dis, hein. Vas-y. Bonsoir. D'accord. À mon avis, oh, il y a un espèce de gamin là. Vous pensez qu'il est gentil? Pourquoi il me pointe du doigt? Mais attends, mais pourquoi tu me pointes du doigt? Ah non, il demande de l'aide. Room 404, elle est juste là, regardez. Mais en fait, on est toujours pas rentré dans la room 404. Et vous savez, il y a un film comme ça. Il y a un film qui s'appelle, il me semble qu'il s'appelle Room 404 en plus. Chambre 404, il me semble. Ou alors c'est 413, 414, chambre numéro quelque chose. Et il se passe des trucs de malade dans cette chambre. Je sais pas si vous voyez le film que je parle. Il est franchement bien, ce film. Écoutez, je vais regarder l'objectif. Go all the way until you get of the illusion. Cherche every hall. Ok, yes we can. Just do it. Ça marche. On va... Ah! Bah écoutez, on va d'abord aller tout droit. Je pense qu'il y a une grille, ça sert à rien, bien entendu. Un dilemme s'offre à nous là. Soit à gauche, soit à droite. Dans tous les cas, y a pas un côté plus rassurant que l'autre, quoi. On va aller par là parce que je sais pas, il y a de la fumée. On verra bien. Let's go. Putain, c'est quoi, c'est l'enfoiré de la mort, quoi. Oh, on se calme. Ouais, ouais, ça va. Tu vas pas me la faire à chaque fois non plus, non? Voilà. Attendez, parce que là, en fait, c'est pas que je veux pas, mais c'est que j'ai l'impression de tourner en rond là. Ah ouais, d'accord. Et dès que je me retourne, je suis encore là. Bon bah écoutez. Bah on va prendre l'autre côté, hein. Gentiment. On verra bien. Bon écoutez, on va s'arrêter là pour la première partie. En tout cas, si ça vous a plu, petit pouce bleu, petit partage, ça fait plaisir. Et puis on refera la suite. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.